Oh putain! Oh yes! Oh yes! Un fusain shiny! Un fusain shiny! Yes! Oh! Oh putain, yes! Au niveau Magla MV, ça dit quoi? MV qui a déposé Magla. MV qui a déposé Magla, ouais. Ça y est, maintenant MV qui est parti à la conquête de la troisième place de le la podium, médaille de bronze. Le podium, ah ouais. Il y a un prix pour le premier, il y a deux autres. Mais attention, c'est la même deuxième qui reste, la dernière fois. On voit l'état de Michou. Ouais, si je suis nul. Ouais, c'est celle que je suis aussi. Ça peut jouer des tours. Ouais, ça va ouais. Clairement pas être la même pendant ce temps. On est quasiment 200k viewers. C'est juste ouf. Ouais, merci énormément. Merci beaucoup pour ça et on peut être fiers là des streams. Oh yes, enfin Volcaro Pod Shiny. En fait, c'est vraiment trap. Yes. Je l'aurais proposé. Oh GG. Yes. Putain, enfin. Yes. Une case en plus. Enfin, faut le capturer maintenant. Ouais. Bon courage. Je te jure qu'il va. Je vais aller faire. Hein? Il avait quoi? Il avait un Smogogo, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais aller faire ma vidéo, je reviens. Ok. Ouais. Allez, vas-y, à toutes. Tout. Ah là 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 là. Yes. Dommage que j'ai pas le type proche à la BEF. Ça me ferait un petit gimmick. Bon courage à Anna Shrey d'ailleurs, hein, qui a commencé cette chasse. Il me semble hier. Bon, qui trouve pas trop vite quand même. Hein. Mon téléphone et un trépied, c'est ce qu'il me faut. Hop. Clac. Putain, yes. Alors oui, enfin, peut-être que j'abuse un peu, ça faisait que 3 jours que j'avais fait ma phase 2. Mais wow, ah ouais, putain. J'oublie à chaque fois ce putain d'élastique de merde. Hop là. Mais encore. Voilà. Alors, 3, 2, 1, top. Pour une capture qui va, je pense, se faire plutôt bien. Alors, mon plan, c'est de tuer Kaorin en premier. Hop. Donc déjà, je vais tuer le Kaorin en premier. Alors, attends, faut réfléchir un peu quand même. Je tue le Kaorin. Smogogo, il peut faire quoi? Bomber ou explosion, c'est pas grave. Volcaropod, s'il fait plaquage et qu'il me paralyse, là c'est chiant. Mais ils ont quand même rien pour se tuer. Donc ok, je vais tuer le Kaorin. Ah, j'espère que ça va finir sur une capture. Ça c'est très bien. Au moins je vais pas m'en prendre plein la gueule. Alors attaque cascade sur Smogogo.
Ok. C'est très très bien ça. Maintenant, c'est du 1 contre 1 normal. Donc, hypnose. Et on va pouvoir lancer des love ball. Soin ball ou love ball. Love ball, ça n'existe pas, je crois, sur ces versions. Je suis pas sûr. Je sais plus. Alors, le sac. Ball. Soin ball. Oh, j'y ai cru, j'y ai cru. Pas grave, on a les étoiles, c'est cool. Évidemment. Évidemment. Il est trop beau, Volcaropod Shiny. Je... En vrai, je suis surpris. Parce que... Bah, je le chasse donc dans le but de compléter mon Living Dex un peu plus. Mais surtout pour avoir une case... Une case pour une compétition, la SRT notamment. Et... Et je sais pas, j'ai commencé cette chasse parce que c'était de la rencontre double et j'avais envie de vite finir ça. Mais je suis vraiment content de... Du shiny, franchement. M'attendais pas à ça. Aïe aïe aïe. On va prendre son temps, hein. De toute façon, maintenant, il est là. Sinon, au total, j'ai fait soit 13 352, soit 13 360. Je regarderai sur le replay... si j'avais compté ma rencontre ou non. Il me semble pas, vu que j'avais pas fini ma salve. Je pense pas que j'avais que j'ai compté les 8 Pokémon rencontrés. J'en suis même quasiment sûr maintenant que je le dis. Donc c'est d'être 13 360. Bah, je suis content d'avoir la cible, évidemment. Même si un Rhinophéros, ça aurait été sympa aussi. Un Limagma, ça aurait été cool. Voilà, enfin... On nous fera le tour, évidemment, n'en parlons pas, j'aurais été très content de l'avoir. Faux, évidemment. C'est totalement faux. Bon, il se fait désirer, ce petit Volcaropod, hein. Ah. 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 Oui, capturé. Let's go. Let's go. Un surnom au Volcaropod capturé. J'ai envie de l'appeler... Bah je sais pas en fait. On va laisser ça en Volcaropod. Hop. 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 Je vais quand même montrer un timer car... j'ai mis mes consoles au 12 janvier car il y a 10% de rencontres en plus. Sur 4G, le 10 janvier. Le 12 janvier, pardon. Le 12 janvier, car c'est l'anniversaire de Masuda. Voilà, donc bah, mais le Volcaropod, il sera noté capturé le 12. Mais nous sommes bien le 21 mars. Nous sommes bien le 21 mars. La veille de mes 27 ans, d'ailleurs. Hop. Alors... Et je vais pouvoir quitter cette zone. Je reviendrai un de ces quatre pour faire Itran.
Shiny que je me laisse de côté depuis très longtemps, car bah, j'ai très hâte, enfin, vraiment hâte de le faire. Hop. Eh bien aujourd'hui, selon time.is, c'est le jour de la fin du racisme. Eh bien putain, si cette journée pouvait être mise plus en avant, ce serait cool quand même. Hein. Ce serait cool, mais bon, restons dans le domaine de Pokémon et parlons Pokémon. N'entrons pas dans des sujets fâcheux, même si il faut combattre toutes les injustices et toutes sortes de racisme si vous le pouvez, même à votre échelle, c'est très important, sachez-le. Alors, il est de quelle nature ce petit Volcaropod? Il est solo, GG Suif. Alors, je vais recevoir une deuxième fois, car nous sommes sur 4G. Voilà. Hop. Et une petite rencontre pour conclure la vidéo. Donc, je dois faire en sorte que le repousse se barre maintenant. Je ne sais pas comment font les gens pour chasser en haut bas. Franchement, les gens qui font les rencontres en haut bas, ben respect, à mon avis, ça doit être une... Enfin, une habitude aussi, mais je n'y arrive pas, perso. Hop, petit rapace de pique. Yes. Il est trop beau. Il est trop beau. Et bien du coup, sur ce YouTube, moi je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance. Amusez-vous bien sur vos chasses, c'est le plus important. Et à la prochaine. Salut !